Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minunivers Crypto. J'espère que vous allez bien, mes amis, que tout se passe bien pour vous. Vous passez une bonne journée, nous sommes le 29 juin 2023. Passe vite, hein. déjà fin du mois, on va penser qu'aux vacances maintenant, on va penser qu'aux vacances. Non, allez, malheureusement, on ne pense pas qu'à ça, mais ça passe tellement, tellement, tellement vite, croyez-moi. Et justement, pour ça, on fait le tour de l'actualité. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que beaucoup de news à longueur de temps, évidemment, et quand on est dans un écosystème comme le nôtre, un univers, un univers de la crypto-monnaie, et vous êtes dans l'univers de la crypto-monnaie de Dominique, là, eh bien, il faut être au courant d'un petit peu tout ce qui se passe. Donc moi, dans mes vidéos, je vais essayer d'aller relativement vite, je vous donne un maximum d'infos dans un minimum de temps, mais quand même que vous soyez un petit peu à la pointe de toutes les news. Alors il y a des choses, on n'a pas le temps en 20 minutes, en 15 minutes, 20 minutes, on n'a pas le temps de tout détailler. Donc je survole les titres, mais je vous dis, tiens, il y a un truc à voir là, si tu veux, tu t'y intéresses. Tu vas sous la vidéo, dans les liens, tu auras tout le commentaire et tu pourras un petit peu euh, faire quelque chose là-dessus. Et si euh, c'est un peu important, évidemment, que je dis un petit peu ce que j'en pense, comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve sur Twitch, on se retrouve sur un Discord que je suis en train de monter actuellement et où on pourra évidemment à longueur de journée détailler tout ça et voir tout ça, mes amis. Hein. Donc voilà, on va parler de politique, d'entreprise, comme je vous l'ai dit, on va parler de NFT, on va parler de collection, des régulateurs, comme d'habitude, hein, de la crypto dans le monde, quoi. En gros euh, en gros c'est ça vous vous abonnez à ma chaîne si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne évidemment vous cliquez sur le pouce ça, ça me fera plaisir ça veut dire on aime bien ton commentaire et on va pas oublier qu'on va parler de bootmaster et parce que je j'en ai déjà parlé hier parce que j'ai trouvé ça génial savez, je suis un peu comme un enfant je vois un truc je trouve ça extraordinaire et donc je fais participer les autres j'ai aucun lien là dedans hein, je ne touche rien j'ai aucun lien hein, aucun lien d'affiliation de machin de tout ça c'est juste que j'aime bien donc j'en fais profiter tout le monde et si vous faites des fêtes des mariages on connaît tous ce genre de trucs et même une bonne soirée, eh bien, vous avez un système, vous avez un pareil grandiose, dans une boîte, vous savez, on ne veut jamais savoir ce qu'il y a dans les boîtes, on regarde l'extérieur, ça nous suffit, on appuie sur un petit bouton et on fait des photos. On se représente comme là, on a vu, là, vous avez vous avez monsieur minkien. c'est grâce à lui, hein, au GG Crypto, si vous connaissez les GG Crypto, c'est grâce au GG Crypto que j'ai connu la personne qui s'occupe du botmastery.com et vraiment un mec super sympa, vraiment. Très aimable et tout, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et vous voyez, on était à plusieurs hein, des, 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 des amis que, que j'ai et le Crypto Daily aussi, Crypto Daily qui était avec nous. Écoutez le Crypto Daily, vous verrez. Et je suivais GG Crypto. Vous allez trouver, vous tapez sur Internet, vous trouvez tout ça, mes amis, des gens intéressants à suivre dans notre écosystème. Nous sommes beaucoup. Donc, je reviens à mes moutons. Je reviens à mes moutons. Et en revenant à mes moutons, eh ben, je vous parle de cette société. Parce qu'hier, j'ai fait une petite erreur. J'en ai déjà parlé hier. J'ai fait une petite erreur. J'ai présenté le site euh, de l'appareil en lui-même. Alors, si vous voulez acheter l'appareil, évidemment, vous achetez l'appareil. Mais, en règle générale, on ne va pas acheter un appareil pour euh, une soirée qu'on va faire euh, une fois dans l'année ou quoi que ce soit. Évidemment, on va prendre les services de quelqu'un, ce qu'il fait. Et le monsieur qui s'occupe de ça, sincèrement, il est clean, il est bien, il est gentil, il a toutes les qualités au monde, et ce que j'adore au monde, hein. moi j'adore les gens qui sont aimables, qui sont sympas, etc. etc. Ça ne veut pas dire que c'est le plus gentil de la planète, c'est moi le plus gentil de la planète, c'est personne d'autre, hein, évidemment, évidemment, on est toujours les meilleurs au monde, mes amis, mais la société est donc pas mal. Donc je me permets de rectifier un peu ce que j'ai dit hier, et comme ça, vous avez son lien d'affiliation, je vous le remets, j'avais déjà rectifié son ancienne... Euh, vidéo mais voilà et hein, quand on fait des erreurs faut les rectifier encore une fois il y a que quand on ne fait rien qu'on ne fait pas d'erreurs et quelque part je ferais mieux de faire rien ça m'éviterait de faire des erreurs allez j'avance hein, on rigole dans tout ça et puis sinon vous allez évidemment euh, sur internet vous trouverez aussi comme je vous ai dit tout à l'heure euh, les crypto euh, GG, hein, voilà GG, les crypto, abonnez-vous un petit peu, allez voir, c'est un groupe qui monte, qui grandit. Il y a d'autres groupes, hein, je fais pas de la pub que pour lui, parce qu'il y a d'autres groupes que j'adore. Moi je fais partie de Placanois, puis je fais partie d'un autre groupe qui s'appelle les cryptotagines. Bon, rien à voir, hein, on ne fait aucune pub pour ça, c'est juste des amis et je les salue, je les salue, je les salue. Des amis, le cœur c'est très important dans la vie. Allez, on avance! On avance, sinon je fais que des blabla. Hein, J'arrive jamais, c'est pas possible ça. Hein. Tout petit déjà, on me disait arrête de parler. Et j'ai pas parlé pendant des années. Hein. Vous voyez, maintenant je me rattrape. Hein. Je suis arrivé à un âge où vous inquiétez pas, ce que j'ai raté pendant des années, je suis en train de le récupérer. C'est vous qui subissez, mes amis. BTC 30620, le TH à 1856, on a fait mieux, on a fait pire. Mais on va avancer dans l'écosystème. Et évidemment, ça change hein, toutes les deux secondes. Quand on est sur les zéros, ça change en vert, en rouge, etc. Mais on est dans un ensemble de crypto euh, bon voilà, qui suit le BTC, en tout cas, dans tous les cas. De figure des annonces, on a plein à longueur de temps, comme je vous dis. Pour les débutants, allez voir ce qu'elle plus d'impact. Et on suit les États-Unis, nous, on suit la S&P 500, le Nasdaq pour voir un peu l'ambiance générale. On suit l'or évidemment, et on suit surtout la crypto-monnaie qu'on voit sur des graphiques à longueur de temps où je vous explique un petit peu tout ce que je pense. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je vous dis ce que je pense, et je vous dis à chaque fois, je me mouille un peu en vous disant ce qui peut se passer. Et, euh, et voilà, suivez-moi de près si vous êtes trader. Vous pouvez me suivre, vous verrez, c'est pas pire que ça. L'actualité dans le monde, c'est difficile, parce que c'est la guerre en Ukraine, on a bien compris. Donc une tendre pensée pour tous les gens qui meurent en Ukraine, pour cette guerre qui n'en finit pas, qui une guerre de, 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 de... terrible hein, terrible il à une guerre de connards mais toutes les guerres sont des guerres de connards mais euh, mais voilà il y a des gens qui meurent donc on a une temps de et nous en France là alors, on est dans un bordel pas possible un policier a tué un jeune qu'il n'aurait jamais dû faire, malheureusement, et encore une fois, je ne le condamne pas ni quoi que ce soit, je condamne personne parce que moi je laisse la justice faire et décider de ce qu'il y aura à la fin, mais enfin tous les éléments sont contre lui pour l'instant. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc voilà, le jeune, lui en revanche, il n'aurait jamais dû être dans une voiture sans permis à 17 ans, etc. Donc voilà, les torts sont quelque part, mais il y a un mort. Un mort et rien ne justifie la mort ça c'est ce que je vais dire rien ne justifie la mort malheureusement hein. et donc voilà donc le feu est à feu à sang comme on dit hein, en ce moment j'espère que ce soir ça se passera un peu mieux et c'est terrible parce que sincèrement la, meurt la mort d'un jeune c'est terrible ça me touche vraiment profondément c'est terrible ça ne mérite pas ça même si lui nettement faisait pas que des choses dans les règles, hein, on va dire. Hein. Mais ça ne mérite pas une mort, c'est sûr. Donc tout ça, on va voir comment ça va être jugé. Mais ce qui ne mérite pas du tout, c'est tout ce qui se passe autour de ça. Parce qu'il y a des récupérations politiques. Et là, c'est des gros connards, les mecs. Parce que comment tu peux mettre un pays à feu et à sang Comment tu peux. Moi, je suis un enfant des banlieues. Je peux me permettre de discuter je suis un enfant des banlieues. Et comment tu peux niquer tout le travail qu'il y a dans les banlieues Il y a des écoles il y a des institutions qui sont là pour aider les gens qui sont là pour aider les gens. Et pourquoi on va massacrer tout ça Pourquoi on va détruire tout ça Parce que pourquoi Ça va gêner qui Ça va gêner le président de la République Ça va gêner les gens qui sont en poste Non. Ça va juste gêner les gens qui sont là en train de tous les jours travailler avec leurs enfants, etc., qui essayent d'avancer dans leur vie. Il n'y a pas que des mauvaises gens dans la vie. Il y a des gens aussi qui sont stables, on va dire, qui sont équilibrés. Pour moi, tous ceux qui sont méchants, ils sont déséquilibrés. Voilà, tout simplement. Mais il y a tout le reste de la population. Pourquoi aller leur niquer leur vie Pourquoi aller brûler la voiture d'un mec qui a rien fait Il se retrouve le matin. Moi je m'imagine le matin, je retrouve ma voiture qui est, qui est brûlée par des connards qui sont nus lui mettre le feu, mais j'ai envie de les déglinguer, quoi. C'est normal, mes amis. Voilà. Et tout ça, on part sur un malheur à la base. Il y a un malheur et on va créer d'autres malheurs avec d'autres gens. Pourquoi ça réglons la justice si après la justice ne règle pas les choses on voit ça autrement je suis le premier à dire moi mais faut laisser la justice on ne peut pas déclarer les choses et dire les choses avant que ça soit fait mes amis c'est pas possible ce n'est pas possible et pourquoi tout détériorer comme ça ça, ça me fait de la peine. Je suis vraiment j'ai de la peine. Vraiment, j'ai de la peine. J'adore ce pays, j'adore tout ce qui se passe depuis très très longtemps. Et j'ai de la peine. Voilà, j'étais obligé de donner mon coup de, mon coup de gueule parce que c'est ma chaîne et que j'ai envie de le faire. Et voilà, et je suis un peu triste pour euh, tout ce qui se passe. Parce que... Euh, une famille qui va souffrir, et j'en suis, euh, je suis triste pour eux, je suis vraiment triste, je ne voudrais pas être à leur place du tout, mais pourquoi les massacrer tout le reste, ça avance à quoi, ça va donner quoi en plus, c'est ça le problème, voilà, allez, j'avance, The Blog nous dit quoi, allez, je travaille beaucoup avec The Blog, hein. pourquoi, parce que pour moi, c'est le site qui vous donne les infos en premier, hein. Allez voir, vous avez l'info en premier. Moi, ce que je fais, je vous condense tout ça. Je lis tout ce qui sort à droite à gauche, pas que là, hein, dans plein plein de choses. Je vous condense tout ça, je vous mâche un peu le travail. Je vous mets les liens dans les commentaires. Vous avez, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous écoutez ça. Ces, pub... Ces vidéos, je les publie euh, le soir. Le soir, vous avez toutes les news de ce qui s'est passé. Hein. Je recommence le lendemain, je prends des directs en même temps pour équilibrer un peu l'info parce qu'on a beaucoup d'infos et euh, difficile de, de tout gérer en même temps. Mais vous avez les titres, vous avez tout ça et sur les liens, vous allez creuser ça. Les législateurs canadiens, une stratégie nationale de blockchain. Voilà. Le, le monde entier, hein, on en revient toujours à la même chose. Chacun veut gérer les blockchains comme ils en ont envie. Satoshi, Satoshi Nakamoto hein, qui a monté la première blockchain connue, le Bitcoin. C'est hein, bien connu, il y avait d'autres gens qui avaient les idées. Mais voilà, et maintenant chacun essaie de gérer ça un peu comme, euh, comme il le sent, suivant son pays, suivant ses conditions, suivant plein de choses. On peut comprendre tout ça, on peut comprendre tout ça. Mais attention, hein on règle les blockchains, on essaye de faire, les États essayent de faire, c'est pour leur bien, hein, c'est pas pour le bien d'autrui, c'est pas de la finance décentralisée, hein, c'est euh, simplement passer de la monnaie euh, fiat à la monnaie euh, numérisée, on va dire, hein, ce qu'ils veulent faire, hein, pouvoir tout contrôler, hein, c'est ça, et la blockchain à la base, c'est pas du tout ça, la blockchain à la base, c'est pour être en DeFi, en finance décentralisée, c'est-à-dire que c'est pas une personne, un État, euh, une banque qui va décider des choses, hein. alors là, on est en train de tout mélanger maintenant mais bon enfin tout le monde ne mélange pas tout mais quand on ne connaît pas effectivement qu'on peut tout mélanger enfin le canada travaille là dessus ce qui est tout à fait normal comme le reste du pays et The buck nous dit quoi euh, là voilà ça va arriver ça va se mettre en français je vous mets tout ça en français évidemment la loi financière britannique comprend des dispositions pour le hub crypto et les règles web3 alors c'est pareil même combat hein. régulation machin etc tout le monde essaye de se positionner un peu. Hein. Vous allez aller évidemment lire tous ces, euh, tous, euh, ces articles que je vous mets, hein, puisque vous avez des liens en dessous, et vous allez aller regarder évidemment tout ça. Hein. Là, on nous dit quoi Coinbase, 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 alors dépose une requête pour rejeter la poursuite de la SEC. Il n'est pas très content, Coinbase, hein, en combat depuis X temps. On en parle à longueur de temps, donc on ne va pas approfondir ça non plus. Vous allez lire si vous avez envie dans les commentaires. Et il trouve que c'est des extraordinaires abus de procédure. Effectivement, hein, moi je suis un peu d'accord avec ce qu'il qu qu nous dit, effectivement. Hein, effectivement hein. Et donc, dans tout ça, le Conseil consultatif de la technologie CFTC. Euh, voilà, discutera de la DeFi, des DAO et plus lors de la réunion en juillet. Donc on va suivre ça de près en juillet, on va voir ce qui va sortir justement de cette réunion. Hein, où ça risque d'être un petit peu chaud de savoir comment on veut nous manger d'une manière ou d'une autre, hein, évidemment. Hein. Et là on est avec Madame Lagarde. Euh, L'Union européenne pourrait se rapprocher de l'euro numérique en octobre. Donc voilà, ils sont, eux pareil, hein, c'est toujours le même combat, tout ça, c'est la même chose hein, pour un petit peu tout. Hein. C'est que tous ils sont en train de leur, de leur côté en train de se dire bon maintenant ça y est le numérique, de toute façon on est dedans jusqu'au coup, faut qu'on fasse avec, hein, faut qu'on fasse avec. Hein. Alors encore une fois, eux la Difa ils mettent ça de côté, ils n'en veulent pas, c'est aucun intérêt pour eux, finances décentralisée. Aucun intérêt, eux ils restent tout le temps sur le même truc, donc ils essayent de voir comment ils vont pouvoir placer l'euro, le dollar d'un autre côté, et comment ils pourront remplacer les billets par la monnaie numérique et pouvoir contrôler un petit peu plus tout le monde. C'est juste ça, mes amis, c'est rien d'autre. Hein. Le reste c'est de la littérature, c'est du blabla à longueur de temps. Hein. C'est, enfin c'est ce que je pense en tout cas. Euh, crypto. Les dirigeants de la crypto déplorent que les États-Unis prennent du retard sur le Royaume-Uni et d'autres pays pour l'adoption de la crypto. Oui, ça on a bien compris. Hein. Alors, les États-Unis, je sais pas ce qu'ils foutent, parce qu'ils sont intelligents quand même. Ils sont, attendez, les maîtres du monde. Bon, un petit maître hein, maintenant, le maître il rattracie. Hein. Mais Mais sont quand même les maîtres du monde. Bon, ils ont les BRICS contre eux, ils ont plein de gens contre eux quand même. Attention, hein. ils dérangent un petit peu tout le monde. Hein. Même l'Union européenne on a un petit peu marre des Américains. Mais malheureusement, nous, on est toujours devant, en train de faire des Courbette euh, et voilà, hein, le patron a dit que, et nous on est là, ah oui, bah c'est bien, patron, t'as raison, hein, sauf que là il manque de marche, on va se casser la gueule. Hein. Mais bon, ça fait rien, on ne lui dit pas parce qu'il va être vexé, mes amis. Hein. Donc voilà, euh, je déconne encore une fois. Bon, et mais c'est vrai que les attenus prennent du retard du retard après le Royaume-Uni, les autres pays, Dubaï, Hong Kong, etc. On a bien compris ça. Hein. Donc je pense qu'ils vont refaire à un moment donné, ils vont comprendre. faut peut-être qu'ils virent un petit peu les gens qu'ils ont euh, à leur pouvoir, tout ça. Et encore une fois, je fais pas de politique. Hein. Je dis juste les choses. Hein. On a vu qu'on a, on a des personnes qui arrivent là, qui pour les élections, Kennedy, etc. Il y en a plusieurs qui sont pro-crypto et pro-Web3, on va dire. Sans être pro-crypto, pro-Web3. Il voit bien que le monde est en train d'avancer. En plus, on a l'expérience du passé. Moi, je l'ai, l'expérience du passé. Ces gens-là, ils l'ont aussi. Ça veut dire qu'on a connu des époques où on avait peur de tout. Hein. La télévision, la première chaîne, quand on a branché la première chaîne, vous savez, tout le monde avait peur. On s'est dit, c'est des diables derrière, le mec, il est où on, on allait voir derrière ces télévisions pour voir où était le mec. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve... Euh, X années plus tard, où ça y est, on est tous habitués au téléphone, à l'ordinateur, etc. On a les mêmes les mêmes peurs. Donc tout le monde a peur. et euh, Mais je crois qu'ils ont surtout peur de perdre leur autorité et de perdre leur gouvernance. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Allez, j'avance, j'essaie d'aller vite hein, parce que sinon là, je vais en mettre trois heures. Alors, les États-Unis envisagent de resserrer les restrictions sur les exportations de puces. Alors voilà, le dernier truc qu'ils ont, les États-Unis, c'est de se dire, ouais, on va... Une restriction sur les exportations de puces IA. Alors les mecs, mais là, ils ont pété un plomb, quoi. Enfin, pour moi, ils ont pété un plomb, quoi. C'est le truc le plus important qui se passe aujourd'hui. Et il faut une restriction là-dessus pour avancer le moins possible. Euh... Ouais, d'accord, c'est bon, je vais faire du pain, mais j'interdis la farine. Ouais, bon, ça va être compliqué. Hein. Allez, on avance encore une fois. Euh, Binance, allez, Binance, 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 il nous dit quoi en français IE de Binance met en lumière les relations avec CZ et dit à Bloomberg qu'elle n'est pas Caroline Ellison, on se rappelle, SB, SB, euh, SBF avec euh, sa petite copine donc on a bien vu tout ça euh, voilà il y avait des montages un peu spéciaux là et bon là elle dit simplement qu'avec avec ses aides c'est pas du tout la même chose que c'est pas sa petite fiancée et tout euh, qu'elle est justement euh, en affaire avec mais elle n'est pas du tout euh, du tout sa petite maîtresse donc les choses sont totalement différentes allez Binance en tout cas faut qu'il se défende un petit peu surtout en ce moment c'est chaud pour lui l'affaire est chaude pour lui et les vétérans de Goldman Sachs, Craig Broderick, rejoint le conseil d'administration de Circle. Voilà, Circle qui reprend un employé chez lui, quelqu'un qui tient la route, hein, qui a vécu un petit peu. Hein, donc c'est pas mal, vous allez voir ça dans les liens, évidemment. CBO. Alors, CBO modifie le dépôt de l'ETF Bitcoin Dark pour inclure une fonctionnalité de type. BlackRock, c'était la fonctionnalité, c'est un petit peu plus précisément le dossier révisé, comprendra un accord de partage de surveillance pour dissuader la fraude et la manipulation du marché. En gros, vous avez tout là, allez-vous, allez lire tout ça si vous intéresse. Toutes ces entreprises avancent, mes amis. Toutes ces entreprises sont très importantes, toutes les entreprises que je vous mets comme ça. Moi, j'en parle en deux secondes parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler maintenant. Mais en gros, c'est toutes des entreprises qui vont avancer dans le temps. Peut-être des, des futures grosses licornes, comme on dit. On dit licorne un peu pour tout maintenant. Mais des entreprises qui vont réussir, qui vont exploser. Alors si derrière euh, il y a des actions, des machins, tout ça, ça peut être grandiose. Il faut voir tout ça. Il faut bien étudier. C'est ça qu'on fait à longueur de temps. Hein. Je vous, moi, je vous parle un peu de tout ça pour que vous soyez un petit peu au courant. Après, vous avez votre travail à faire. on peut pas tout, Je ne peux pas tout faire pour vous. Hein. Binance frappé par deux nouveaux revers bancaires en Europe. Alors lui, il en a pris plein la gueule. Binance, euh, en ce moment, c'est chaud, hein, évidemment. Mais encore une fois, moi, je compare pas Binance à FTX. Il a des erreurs. Il a fait des erreurs. Il va les payer hein, parce qu'il va payer les amendes, des machins etc etc mais je pense que c'est pas du tout la même chose que ftx mais euh, mais voilà il se fait virer encore à des nouveaux euh, voilà à des endroits où on lui demande d'être régulé. Tous les pays ont peur maintenant. Hein. Pourquoi Encore une fois, parce que les États-Unis, c'est le grand patron, font peur à tout le monde, ils commandent tout un petit peu, et tous les autres pays maintenant ont pris le, le pli de se dire faut être régulé, faut être régulé, faut être régulé. Vous avez le droit ci, vous n'avez pas le droit à ça, etc., etc., etc. Voilà, c'est ça l'histoire. Hein. Les vétérans de PayPal lancent un réseau de paiement transfrontalier de type Swift. Bah, SWIFT. Voilà, bon, bah, ça c'est bien, hein. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Combinant la technologie blockchain avec l'infrastructure Fiat existante, l'API Six Clover permet aux organismes d'intégrer le réseau Versal dans leur pile technologique permettant des paiements en temps réel, en stablecoin et en devise numérique de la Banque centrale selon un communiqué. Voilà, c'est bien, petite euh, société qui avance. Hein. Là, on est en train de parler d'entreprise, vous avez compris, on parle que je vous fais un petit peu le tour de tout ce qui se passe dans les entreprises. Hein. WorldCoin est lancé en Allemagne, il s'intègre à la plateforme d'Auto. Docta, voilà, une société qui avance encore. Tout ça, je vous mets juste les titres, vous allez les approfondir si vous en avez envie. Superstat. Alors, eux, on va dire tout de suite, dépose un projet de lancement d'un fonds d'obligation gouvernementale symbolique. Le fonds est un fonds de titre d'État à durée ultra courte selon le prospectus. À suivre, mes amis. Et qu'est-ce qu'on nous dit là Allo X launch, launch lance un coffre-fort d'actifs DeFi dans le monde réel après un cycle pré-amorçable de 2 millions de dollars. Le coffre-fort combine de crédits symbolisés de crédits finance avec des bons du trésor américain symbolisés, offrant un investissement DeFi, un accès à la liquidité des actifs dans le monde réel. C'est super extraordinaire. Et BitPanda, mes amis, BitPanda Pro. Alors eux, ils se lancent sous Jos Barraclugd et lève 30 millions de dollars pour avancer. On connaît Bitpanda, la nouvelle entité s'appellera One Trading et a levé 30 millions d'euros lors d'un tour de table de Série A, selon une annonce ce matin. Vous voyez qu'on a des entreprises qui avancent, il faut les suivre de près, hein, évidemment. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait ensemble sur le Discord et sur d'autres endroits où on se retrouve. Laser Digital de Nomura, qui est la société de négociation d'actifs numériques Elysium. Technologie, voilà, je vous ai dit dans des périodes qui sont difficiles, vous avez des entreprises qui rachètent d'autres entreprises. Ça, c'est le, le, le monde du business. Hein. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Bitcoin ne représentait que 19% de l'activité cryptographique illicite en 2022. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, avant, c'était 80%, 90% en 2016, hein, à seulement 19% en 2020, selon un rapport de. TRM, l'ap donc ça c'est bon, c'est bon signe, hein, mes amis, hein. ça veut dire que ça va mieux, il y a moins de truands chez nous, hein, les truands ne viennent plus, pourquoi Parce que d'un seul coup, ces imbéciles, ils ont compris qu'avec la blockchain, ils pouvaient être répertoriés et suivis, donc ça y est, on, on va commencer tout doucement à les éliminer, ce qui serait un, un bien chez nous extraordinaire, extraordinaire, polygone. 2.0 pour tirer parti du restacking de Matic et de la nouvelle couche d'interopérabilité Polygone, super, j'adore Polygon moi. J'aime bien Polygon, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Polygone Labs a déclaré qu'il prévoyait d'unifier de nouvelles chaînes de connaissances zéro en utilisant des mécanismes tels que le restacking et un pont commun dans le cadre d'une transition dans, vers la transition de Polygone, vers un écosystème de couche 2. Allez, on suit tout ça sur d'autres vidéos, évidemment. On n'a pas le temps à développer tout ça, mais vous, vous pouvez le faire, mes amis. C'est facile, hein dans les liens, sous les commentaires. Boum, je clique, j'ai l'article, je lis tout ça et je suis un petit peu au courant si je ne suis pas déjà. Stark X Layer 2 record 1, 1 billion de dollars de volume de transactions en chaîne depuis juin 2021. Et oui, c'est pas mal, hein c'est pas mal, hein c'est pas mal, c'est pas, pas mal. Stark X est exploité par la société et mise à l'échelle. Et de développement de blockchain Star Wars. Star Wars c'est pas mal, hein, le volume cumulé des échanges des échanges en chaîne sur le réseau euh, Star X Layer 2 a dépassé 1 billion de dollars sur différentes applications depuis son lancement en juin 2020, a rapporté le développeur de Stormdark. Star Quar, si vous connaissez pas, allez voir ça, hein, c'est hyper intéressant et apparemment ça progresse. Donc ce qui progresse, ça va dans le bon sens. des y, des DZ, ça j'aime bien, ça j'aime bien dy des dx des moi je fais de pub pour personne mes amis je vous parle de tout ça parce que c'est dans l'écosystème moi chaque jour je vous mets sur des liens quand c'est très important je vous en parle sinon si c'est des petites news qui font avancer tout le monde eh bien on voit ça comme ça vous, vous allez approfondir ça mais je fais de pub je n'ai de lien pour avec personne donc tout ce que je vous dis vous pouvez avoir confiance c'est cash c'est sans intérêt quoi hein. c'est parce que ça c'est très important hein. s'il y a beaucoup d'intérêt derrière évidemment on peut dire autrement et le jour où je vais sponsoriser une société je vous dirai je Sponsorise parce que je gagne des sous avec ça. Je serai clair avec vous. DX, mais de toute façon, je ne sponsoriserai que des choses que j'aime bien. Ça, jamais je vais aller sur un truc simplement pour de l'argent. Je ne ferai pas ça. Hein, jamais. Hein. DX, DX. Uh, DYDX lancera le testnet public de la blockchain basée sur Cosmos le 5 juillet. Donc, en attend le 5 juillet. On va reparler DYDX. Pardon, ouais, je suis un peu. Euh, vous avez compris. Hein, je mélange un petit peu les mots, les syllabes, tout ça. Donc faut pas m'en vouloir. Allez, on va en parler de ça évidemment quand ça va sortir. sosby sosby j'adore hein, salle des ventes, hein, je suis un spécialiste des, des ventes, donc je connais tout ça euh, par cœur. J'ai euh, 40 ans de salle des ventes, donc euh, vous voyez, Eh bien très bien, hein, lance un programme alimenté par la blockchain pour les articles génératifs. Bah voilà, il n'y a que des choses bien qui nous arrivent, mes amis. Cryptos qui nous dit quoi? Lacoste réinvente son expérience NFT avec la... Une des web, trois quarts qu'apporte ce NFT dynamique. Si ça vous intéresse, vous allez lire leur article, évidemment. Si vous aimez les NFT comme moi, vous vous intéressez de près. Bitcoin.fr nous dit quoi Le surfing Bitcoin en 2023, il ne faut pas rater ça. Enfin, pas rater, je plaisante un peu. Hein. Vous y allez, vous y allez pas, c'est votre problème. Mais si vous êtes sur Biax, il faut aller voir. Si vous aimez la crypto, vous aimez tout ça, faut aller voir. Évidemment, si vous n'avez jamais vu. Et sinon, vous aurez aussi... Euh, le Paradigmicon, le programme, c'est quoi la seconde édition de Paradigmicon Se déroulera le vendredi 30 juin à la Chaux de Fonds, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. J'ai des amis là-bas. Allez, ils vont aller faire un tour là-bas. Et on ne va pas rater non plus un truc important le NFT Biarritz. J'adore et puis évidemment, j'ai des affinités avec certaines personnes dans tout ça. Encore une fois, j'ai aucun lien, rien du tout, j'ai aucun intérêt, mes amis. Mais il va falloir, 21-22 août à Biarritz, évidemment qu'il va falloir aller voir ceci. Vous avez les liens de tout ça, vous regardez, vous épluchez tout ça et vous faites vos idées, évidemment, tout seul sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Vous êtes des grandes personnes, comme moi, hein. je suis maître de ce que je fais. Moi, j'entends partout dans l'écosystème des choses, j'écoute. J'écoute, j'analyse. Hein. On fait ce qu'on appelle son Dior. Voilà, son Dior. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez chercher, vous avez compris. On fait son Dior. Moi, je fais mon kéké, mais je fais aussi mon Dior, mes amis. Allez, je rigole, amusez-vous bien, faites attention à vous, soyez, comment dire, euh, prudent. Soyez prudent, c'est très important d'être prudent. Et puis, on se retrouve sur une autre vidéo, mes amis, à bientôt.